INSPIRE-HEP est une base de données spécialisée en physique des hautes énergies. On peut y accéder soit par Google ou à partir du guide de physique des bibliothèques. Les recherches y sont faites à partir d'opérateurs qui sont uniques à cette base-là. Les plus importants sont inscrits juste en bas de la page d'accueil. Une particularité intéressante est que l'on peut faire une recherche par collaboration. On peut donc trouver tous les articles d'une expérience ou d'une collaboration internationale, comme Atlas, Snow, PIP2, etc. Une fois dans la fenêtre des résultats, on retrouve aussi des facettes qui sont intéressantes. Par exemple, l'exclusion d'articles de plus de 10 auteurs, ce qui est quand même un must en physique des particules. On retrouve aussi les catégories d'archive et les collaborations. En voyant les facettes de collaboration, on peut comprendre que la recherche qui est faite dans ce champ-là est faite en mode plein texte. Donc, écrire simplement SNO retournera aussi SNO+. On peut quand même ensuite préciser dans les résultats si on veut l'un ou l'autre. Si on le fait, on va remarquer maintenant que les dates des articles qui sont dans la visualisation en haut de la page montrent le sous-ensemble par rapport à l'ensemble. Donc, ça va montrer en fait les articles qui ont été exclus vont être identifiés en gris.